Bonjour les stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous la session des parts sociales de la société en nom collectif. On va traiter l'article 15 et l'article 16. Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent pas être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. De plus, la cession des parts sociales doit être constatée par écrit à peine de nullité et les raisons rendues opposables de la société dans la forme du Daher formant le code des obligations et contrats, c'est-à-dire que la cession doit être signifiée à la société en nom collectif ou acceptée par elle dans un acte authentique, ça veut dire notarié ou sous signe privé, c'est-à-dire un contrat légalisé. Toutefois, la signification peut être remplacée par dépôt d'une coupe de l'acte de cession au siège social, compte remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt au déposant. Il n'est opposable au tiers qu'après accomplissement de ces formalités, en outre après publicité au registre de commerce. Merci de vos attentions et jusqu'à la prochaine séance. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tout.